Alors, rebonjour à tous, heureux de vous retrouver une nouvelle fois aujourd'hui sur YouTube en euh, cette de, uh, de semaine lundi 4 avril 2022, 11h32, heure du Québec. Barack Obama, Barack Obama revient euh, à la une des euh, journaux parce qu'il s'en va à la Maison-Blanche euh, visiter Joe Biden. Un retour à la Maison-Blanche pour Obama après cinq ans d'absence, deux mandats, Rempli. À Barack Obama, le président des, des artistes, le président des médias, hein, était très aimé des médias euh, gauchistes, euh, où on aimait euh, les paroles, les discours creux de Barack Obama, qui ne voulait pas dire grand-chose, mais qui étaient des grands slogans. Hein, les slogans, ça a comme but d'avoir un impact en étant court et euh, creux. Mais Barack Obama était long et creux. Pas beaucoup d'accomplissement en tant que président des États-Unis. Le trois quarts des promesses pas remplies. Comme la plupart des politiciens, tout en promesses, rien en action. Mais lui, en, par contre, il avait compris que pour régner en haut euh, du sommet des euh, sondages d'approbation, si tu veux, il fallait que tu plaises aux journalistes. Et il fallait pas que tu confrontes les journalistes. Les journalistes, étant une race à part, hein, qui ont euh, l'impression d'avoir le monopole de la vertu et de la vérité, aiment imposer leurs sentiments, leur idéologie, leur vision du monde. Et les politiciens qui osent confronter les journalistes, ben, ont mauvaise presse et se font, euh, deviennent la cible des médias. Hein? Donc Barack Obama avait bien compris ça, son équipe euh, qui l'entourait euh, avait bien compris ça aussi, et on faisait tout en son pouvoir pour plaire aux médias. Et ça a bien marché. Plaire aussi à l'establishment artistique, c'est bien important aussi d'avoir les, les artistes de son côté, un peu les cousins des médias hein, qui aiment aussi... Euh, donner des leçons de moralité, hein? les artistes qui vivent dans la décadence, la déchéance et la débauche, mais aiment donner des leçons de moralité. C'est souvent comme ça, on voit ça chez les curés aussi. On aime ça donner des leçons de moralité alors qu'on vit dans la disgrâce. Donc, Barack Obama avait bien compris ça, très, très bien compris ça. D'ailleurs, ça lui donnait des entrevues quand il était en entrevue avec les journalistes d'une banalité et d'un enfantillage et d'une facilité déconcertante. Barack Obama était jamais, jamais euh, mis euh, dans l'embarras, avait jamais des questions complexes qui pourraient ou qui auraient pu l'embarrasser et euh, peut-être l'exposer comme étant quelqu'un d'assez euh, inefficace. Il avait le genre de questions comme quel est votre votre crème glacée préférée, quel est votre film préférée alors qu'on était dans des temps de crise incroyable. Donc, c'est l'avantage de plaire aux médias et d'être la coqueluche des médias. Maintenant, il retourne. Mais, je dois rajouter que les huit années de Barack Obama ont quand même mené à l'élection de Donald Trump. Si ça avait été si extraordinaire que ça, les politiques de Barack Obama les politiques du Parti démocrate, on n'aurait jamais vu l'élection de Donald Trump. Maintenant, Joe Biden se retrouve dans la même position que Barack Obama. Il a été son vice-président pendant huit ans. Il essaye de surfer un petit peu sur l'Obamacare parce que les sondages sont dévastateurs pour Joe Biden et son équipe. Si on peut qualifier ça d'équipe, on ne les voit pas vraiment. Encore là, c'est les chouchous, naturellement, des médias, les démocrates démocrates qui ont des passe-droits euh, que personne d'autre a au niveau des médias. Et euh, Joe Biden se fait poser le même genre de questions que Barack Obama. « Quelle est votre crème glacée préférée, votre repas préféré, votre chanson préférée? » Donc, il ramène Barack Obama dans euh, les parages à la Maison-Blanche, mardi, demain, lors de sa première visite depuis qu'il a quitté ses fonctions d'ancien président, apparaîtra aux côtés de Joe Biden et de Kamala Harris, pour promouvoir le succès de la Loi sur les soins euh, abordables, ce qu'on appelle l'Obamacare, dont certains aussi l'ont qualifié d'Obama didn't care, parce que ce n'était pas extraordinairement fantastique non plus. C'était euh, mi-cher, mi-poisson. Euh, hein. L'ancien président Obama retournera à la Maison-Blanche mardi pour la première fois depuis qu'il a quitté ses fonctions pour promouvoir la Loi sur les soins de santé abordables. La célébration de la refonte des soins de santé 2010 sera leur première apparition conjointe depuis qu'ils ont assisté à des événements commémorant le 20e anniversaire des attentats du 11 septembre 2001 à Grand Zero, l'automne dernier, a déclaré le responsable. Donc, vous irez lire ça, plus ou moins intéressant, mais ça m'amène à la situation actuelle pour l'administration Biden qui se retrouve avec une anxiété incroyable face aux sondages qui sont de plus en plus pitoyables pour Joe Biden et son équipe avec les euh, élections mais mi qui s'en viennent euh, rapidement. Hein, le mois de novembre, l'été va passer comme un, un clin d'œil et on se retrouvera avec les élections de mi-mandat. J'ai vu un sondage ce matin qui était euh, publié. Je pense que c'était un sondage de Fox News où 56 des Américains euh, aimeraient avoir un gouvernement ou une Chambre et un Sénat euh, républicain. Les démocrates s'inquiètent de plus en plus de la position du président Biden dans les sondages. À sept mois des élections de mi-mandat, Biden n'a pas vu son taux d'approbation augmenter au milieu de la guerre euh, de la Russie entre l'Ukraine et Poutine, malgré le soutien des Américains pour les mesures qu'il a prises. Alors que l'économie continue de gagner des emplois et que le taux de chômage est bas, hein, euh, Biden se retrouve quand même avec des problèmes euh, majeurs euh, face à l'électorat. C'est pas facile pour Joe Biden, euh, alors que l'économie hein, va quand même ben, assez bien. L'économie était forte avant la pandémie, là, c'est juste qu'on reprend ce qu'on avait. L'inflation est à son plus haut, par contre, depuis 40 ans, et les prix de l'essence ont explosé. Euh, tout le monde pense que. Et tout le monde blâme euh, Joe Biden, alors que lui, Joe Biden, blâme l'invasion russe, alors que l'augmentation des prix de l'essence avait commencé bien avant l'invasion russe. Et on blâmait à ce moment-là la euh, COVID. Les démocrates craignent depuis euh, des mois de perdre la majorité à la Chambre cet automne et ils craignent également de perdre le Sénat, les sondages montrant que Biden obtient de mauvais résultats dans des États clés tels que l'Arizona. C'est mauvais à déclarer un stratège démocrate. Vous avez une crise énergétique qui est paralysante et l'inflation est à son plus haut depuis 40 ans. Ce n'est pas des bonnes nouvelles pour un, un, un président qui s'en va à mi-mandat. Et nous nous dirigeons vers une récession. Le problème est simple. Le peuple, le, peuple, le peuple américain pardon, a perdu confiance en Joe Biden après seulement un an. Comme je ne sais pas si même ils avaient déjà eu confiance en Joe Biden. Les nouvelles du marché du travail vendredi étaient que l'économie américaine avait ajouté 40, 431 000 emplois en mars. Mais il ne faut pas oublier que l'économie était très très forte. On était à zéro presque chômage lorsque euh, Donald Trump a quitté ses fonctions. Il y a eu la pandémie naturellement, mais euh, on fait que reprendre ce qu'on avait déjà avant. Donc, ça va mal pour les Démocrates et on ramène Barack Obama pour essayer de secouer les troupes, disons. <laughs> Je ne sais pas si ça va marcher. Ça n'avait pas marché quand on était en élection euh, Clinton et Trump. On avait utilisé Obama à profusion. Je pense que Obama aussi, face à la majorité américaine, a fait son temps. C'est les médias qui sont en amour avec Barack Obama et le milieu artistique. Je vous reviens.